Bonjour à tous. J'ai un téléphone cellulaire, un Samsung A31. Le client me l'a apporté, là, je l'éteins, parce que le micro ne fonctionne pas dessus. Au départ, j'ai même tout essayé, tout ce qu'on doit faire avant de remplacer une pièce. J'ai vérifié, j'avais même mis un logiciel externe, puis pour une raison X, le micro me fonctionnait. Mais quand on appelait quelqu'un, ça ne marchait pas. Ça a été nettoyé, il n'y a rien que j'ai pas fait dedans. Finalement, j'ai même fait un reset du téléphone. Rien à faire, le micro ne fonctionne pas. Fait que qu'est-ce qu'on va faire? On va l'ouvrir. Je me suis commandé la pièce. Tout vient d'un morceau, port de chargement, jack pour les écouteurs, plus le micro. Tout vient avec la même petite carte. Fait qu'on va démonter ça, puis on va remplacer ça pour le client. Allons-y. On va le laisser reposer 10-20 secondes. Ça permet à la charade de descendre à la colle. Et après ça, on prend ça. Bonjour. Et voilà. Excusez-moi, un client. On a commencé à l'enlever pareil. Ça m'est ici. Hein? Pas trop long à enlever. Maintenant, il faut enlever toutes les vis ici. Je me rachète un autre tapis bleu pour mettre ici. Puis si je fais des tests, je vais vous aller voir, là, je faisais des tests de d'une fonction pour faire des tests dans les Samsung. On peut tester les haut-parleurs, les micros, toutes les autres affaires, la vibration et ainsi de suite. Puis, il m'indiquait que le micro fonctionnait. Il était collé. C'est collé que le temps. Et voilà. Et voilà. Bon, on check si c'est bel et bien la bonne affaire. Ça ressemble à ça en tout cas. Ça ressemble bien gros à ça. Le micro, il est ici. Hey! Où je vous le montre? Port de chargement. Ça, c'est le micro. Hey, vous voyez la grosseur? Pendant qu'il va être enlevé en même temps, je vais regarder le trou ici. Là. Il est tout beau. Bon. On enlève ça. Voici donc la petite carte.
On enlève ça, on remet l'eau. On remet la petite vis. Pas plus long que ça. C'est qui rentre pas tant que ça. Hein? Tiens. Fait que tout est posé. Les câbles sont branchés. Ça ici, on s'assure que c'est bien rentré à sa tasse. Oui. Ça, c'est l'antenne. Câble bien rentré. SMA315. Tout est beau. Fait qu'on remonte ça là. On essaye ça. Bon. Il n'y a même pas du manco. On va l'allumer. Il me reste le couvert en arrière à poser. L'ancien petit morceau. On va commencer par l'enregistreur en premier. Il vient d'ouvrir. On vérifie tout de suite si le port de chargement fonctionne. Number one. Il charge à 1.8 ampères, 1.6, 1.5, 5.2 volts. Donc ça c'est parfait. Ça c'est number one. L'enregistreur. Non, il est installé, moi c'est qu'il me l'a enlevé. 1, 2, 3, 4, 5. Oh! Ça a l'air à répondre. Ça fonctionne. Maintenant, je vais appeler. Je vais vérifier avec mon cellulaire. Un, deux. Ça fonctionne. Bon, j'ai un client qui va être heureux là. On a tout essayé. J'ai tout essayé parce que c'est quand même assez rare qu'ils font défaut. Puis je me souviens d'anciens modèles qu'on avait eu des trous avec Samsung, avec le micro. Mais pas celui-là. Fait que finalement, c'était bel et bien ça. Fallait remplacer ça. Je recolle le couvert en arrière, puis ça va être fini. Merci.